Ce soir, on célèbre deux événements. Le premier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'Assemblée Générale de la Cité Civile, c'est d'avoir sauvegardé tous nos villages, vacances, qui restent dans notre pôle de tourisme social, avec d'autres acteurs du tourisme social et associatif, qui gèrent nos villages depuis le 12 mars 2024, date de la liquidation de ce discours touristra. Et le deuxième événement, c'est le départ en retraite de notre ami Didier Roche, avec un an de retard, vu ses exploits acrobatiques en VTT l'an dernier, mais pas sans conséquence au niveau de ses côtes, ce qui ne nous a pas permis, donc l'année dernière, de fêter ton départ, mon cher Didier. Mais avant d'honorer notre ami Didier Roche, c'est la présidente qui s'en chargera, bien évidemment. Quelques mots sur les 6 derniers mois que nous venons de vivre pour la sauvegarde de notre pôle. 6 derniers mois qui auront été très intenses. Comme vous le savez tous, puisqu'associés dans la société civile de notre village, nous n'avons cessé d'alerter depuis plus de 20 ans sur l'inéluctable défaillance à venir de l'entreprise Sedis Tour Touristra, qui était le partenaire historique et unique de la gestion de nos villages de vacances depuis 1985, date de la liquidation de Tourisme et Travail. Vous le saviez tous, puisque face à Cerise, nous avions décidé en Assemblée Générale, en avril 2016, de ne plus confier la gestion de notre village de la Gaillarde à Touristra, et parmi les 5 candidats, dont Touristra également, qui ont répondu à notre appel d'offres, nous avons choisi, en 2016, Cap Vacances, aujourd'hui Milead, pour gérer notre village. C'est donc aujourd'hui la 8e saison qui a débuté avec Milead comme partenaire, et pas seulement comme gestionnaire de notre village, mais bien comme partenaire. Le bilan est très satisfaisant, puisque nous avons rénové en 3 ans entièrement notre village en réalisant, je le rappelle, 11 millions d'euros de travaux et doublé la fréquentation avec des tarifs inférieurs d'environ 15% en moyenne aux tarifs des villages situés à proximité et gérés par Touristra. Nous avons donc fait la démonstration ici que des vacances de qualité pour tous et pour le plus grand nombre n'étaient pas qu'un slogan, mais bien une réalité quand nous constations dans le même temps une dégradation des prestations sur nos autres villages géré par notre opérateur historique, dégradation consécutive à des loyers insuffisants, ne permettant pas de rénover nos villages. Une page de notre histoire s'achève donc. Mais pour autant, le livre n'est pas refermé. Un autre chapitre s'ouvre, avec de nouvelles pages à écrire, avec de nouvelles perspectives. Nous avons sauvegardé nos villages dans le tourisme social et associatif. Et nous continuerons donc à poursuivre ce que nos anciens camarades syndicalistes résistants avaient fait sur la base du programme national de résistance, le CNR, qui s'appelait Les Jours Heureux, et dont nous célébrons cette année le 80e anniversaire, ont construit, parfois au péril de leur vie, dès 1944, pendant l'occupation, ce pôle tourisme et travail qui a valu pour certains de la déportation dans les camps d'extermination nazis. Depuis la libération, des dizaines de générations de militants se sont engagés pour pérenniser notre pôle et aujourd'hui cette tâche nous incombe à nous tous. Nous avons comme devoir, à notre tour, d'assurer la continuité de ce qu'ont fait nos anciens camarades. N'oublions pas ici que le village de la Gaillarde a été construit entre 1976 et 1980 à l'initiative du comité central d'établissement PCUK, dont le secrétaire était un ancien résistant, déporté à Mauthausen, Marcel Lothor, ouvrier à l'usine de Villers-Saint-Paul dans l'Oise. Nous avons à écrire une autre page de notre histoire, et c'est bien l'objectif que la CGT s'était fixé en créant avec nos amis de Milead, qui ont largement fait leurs preuves ici dans la gestion du village, un consortium avec 3 opérateurs du tourisme social, CVO, Arthès, Léo Lagrange. Ce consortium est piloté par Milead et plus particulièrement par Julien Fauché, que je remercie ici en votre nom, ainsi que toutes ses équipes
Domiliad, sans oublier les autres membres du consortium, pour le travail impressionnant et colossal effectué pour remporter l'appel d'offres auprès du tribunal de commerce le 22 mars face à 13 autres offres du tourisme marchand pour l'ensemble des villages et le 9 avril pour ce qui concerne le village de Calvi. Je précise que l'exemple de la Gaillarde, de notre village, a été déterminant dans le choix des administrateurs judiciaires et du tribunal de commerce de Paris. Milléade ayant fait la démonstration de sa capacité à reprendre la gestion des villages comme cela a été fait avec succès ici pour la Gaillarde depuis 8 ans. Nous pouvons, je crois, tous en être fiers. Vous avez, chers amis et partenaires de Milléade, fait un travail qualitatif et quantitatif exceptionnel auquel il convient également d'associer notre avocate Bettina Ferreira qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Précisons également que ce travail a été fait en 4 mois et demi, ce qui est une remarquable performance et on peut dire un exploit quand dans cette période il y avait les congés de fin d'année. Et vous l'avez fait également, je tiens à le souligner, conjointement et en pleine coopération avec Nicolas Cano, nouveau président de l'Encave, et Laurent Brun, secrétaire confédéral de la CGT, ainsi que les fédérations CGT, chimie, métallurgie, énergie, transport, services publics, qui se sont réunis chaque semaine avec la Confédération à Montreuil dans le groupe de travail pour suivre l'évolution du dossier. Je veux également féliciter et remercier tous les associés de la société civile La Gaillarde, donc vous, pour votre ténacité, pour votre résistance, pour votre confiance dans l'équipe dirigeante de la société civile, Fatima, Ghislain, Pascal, Marie, qui a débuté l'aventure entre la société civile et Cap Vacances, et tant d'autres. Remerciements à tous, car il a fallu faire face, dès le début, en 2016, à toutes les oppositions, parfois agressives, à notre partenariat, Société civile de la guerre et Cap Vacances Milléade. Elles étaient nombreuses, ces pressions, mais nous n'avons rien lâché. Merci à toi aussi, Eric, pour le lien étroit que tu as eu avec Julien sur certains aspects de ce dossier. Si nous n'avions pas résisté à ces pressions, soyons certains qu'il est très probable qu'aujourd'hui, nos villages seraient dans les mains du secteur marchand, car il n'y avait pas d'autre alternative pour que nos villages restent dans le tourisme social, associatif et solidaire que le choix du consortium coordonné par Milléade. Mais restons lucides, il nous reste beaucoup à faire, même si nous avons échappé à ce que nos villages soient repris par le tourisme marchand, ce qui aurait eu comme conséquence une explosion des tarifs. Chez ces gens-là, les affaires sont les affaires et il faut dégager du cash. En effet, restons lucides, car j'ai l'impression, quelquefois pour certains, comme je l'ai écrit, que le Messie, en l'occurrence le consortium, est arrivé et que donc maintenant tout va bien se passer. Nous n'avons fait que sauvegarder nos villages pour qu'ils restent dans le tourisme social, associatif et solidaire. Mais pour sauver définitivement nos villages, il va falloir tout mettre en œuvre pour les rénover complètement. Et cela doit nous mobiliser pour, en tant que syndicalistes, convaincus de pérenniser le tourisme social, élus dans nos structures, que les associés ou nouveaux associés face des apports en capital social en complément des loyers versés par les gestionnaires. Nos villages seront définitivement sauvés que si nous réussissons à les rénover entièrement comme nous l'avons fait ici à la Gaillarde. Il faut utiliser le même mode d'emploi mis en œuvre ici, obtenir des prêts et en même temps y associer des augmentations de capital, des associés copropriétaires, voire de nouveaux associés. En effet, les défis qui nous attendent sont immenses. Les besoins d'investissement pour l'ensemble des villages, c'est 80 millions d'euros. Au-delà des emprunts, il faudra pour ces villages que l'Encave agisse comme nous l'avons fait pour la Gaillarde. Pour mémoire, 2 millions d'euros d'apport en augmentation de capital des CSE et associés, afin de rechercher d'autres CSE, d'autres casques, d'autres associations, des ressources financières supplémentaires pour financer les investissements, car pour de nombreux villages, les emprunts ne seront toujours pas suffisants pour assurer une rénovation complète avec toutes les infrastructures indispensables aujourd'hui pour répondre aux besoins des salariés vacanciers. Et cela, c'est de la responsabilité de l'Encave, du mouvement syndical et de nous tous. Après la première phase réussie d'avoir pu conserver nos villages dans le tourisme social, nous devons réussir la seconde phase,
celle de la rénovation complète de notre patrimoine. Et dans cette seconde phase, il devrait y avoir l'engagement de tous, engagement militant et engagement financier. Tels sont, à partir de maintenant, les défis, les enjeux. Nous avons un devoir de réussite, à nous tous, de relever ces défis. Merci. Bravo, Didier.